Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous propose de lire la parole de Dieu dans l'épître aux Romains. L'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, le verset 28. Romains, chapitre 8, le verset 28. La parole. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan. De cette parole, nous retenons comme sujet comment vaincre le plus grand sujet des peurs. Comment vaincre le plus grand sujet des peurs. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, oui, nous croyons vraiment que ce que ta bouche dit, ta main l'accomplit, parce que tu es au service de ta propre parole. Et tu veux que les hommes et les femmes créés à ton image soient également au service de cette parole, et non pas au service de leur ego, de leur propre volonté, mais au service de cette parole. Et pour cela, je te prie, Seigneur, que ta parole s'explique, s'exprime, nous atteigne, nous édifie, nous construise. Merci pour ce que tu feras par le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Le plus grand sujet de peur, c'est la peur de l'avenir. C'est la peur de l'avenir. On peut tourner à droite, à gauche, en arrière, en avant, mais quand on réfléchit plus simplement, plus humainement, on découvrira que ce que nous redoutons se trouve devant nous, se trouve là, devant, la peur de l'avenir. Et comme la parole de Dieu est une réponse aussi à nos peurs, donc Dieu répond. Répond comment nous pouvons vaincre justement cette peur-là de l'avenir. Comment nous pouvons vaincre cette peur? Peur de l'avenir, avenir de nos emplois, avenir personnel, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos familles, l'avenir de notre assemblée, l'avenir de notre pays, l'avenir sécuritaire de notre génération, l'avenir de nos couples, l'avenir de notre santé, l'avenir de nos finances, l'avenir. L'avenir. Alors pourquoi cette peur de l'avenir? La réponse est très simple. Parce que nous n'avons pas le contrôle de l'avenir. Nous pouvons avoir quelques outils pour faire face à l'avenir, mais nous n'avons pas le contrôle. L'avenir nous échappe. Le pas encore nous échappe. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Nous ne savons pas. Je pense que nous pouvons dire très rapidement que Dieu sait de quoi demain sera fait. Et la parole de Romains 8, 28 semble aller dans cette direction. Toutes choses concourent au bien. Alléluia. Alors la première chose sur laquelle je voudrais m'arrêter comme réponse à cette peur de l'avenir, c'est simplement de placer notre confiance en Dieu au sujet de l'avenir. En réalité, notre Dieu ne fait pas de distinction entre les aspects spirituels et les aspects matériels. Il y a un livre qui est sorti il y a longtemps, vers les années 60, je crois plus précisément de 1963, Votre Père sait. Votre Père sait. Et dans ce livre-là, la clé, c'est que notre Dieu
prend soin de ses enfants de A à Z dans tous les domaines. Donc Dieu, et comme nous l'avons souvent dit, c'est que Dieu, tout ce qu'il est, ce n'est pas pour lui-même. Dieu est tout puissant, pas pour lui-même. Dieu est saint, pas pour lui-même. Dieu, toute sa nature est destinée à rassurer ceux qui dépendent de lui. Dieu est pour nous. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Donc, c'est pour nous rassurer. Il est suffisamment équipé pour nous rassurer. Suffisamment équipé. Il contrôle l'avenir. C'est clair. Il contrôle l'avenir. Il sait ce qui se fera en 2025, en 2035, en 2040, en 2090. Il sait où nous serons. Il sait ce que tu deviendras. Il sait. La Bible dit que Dieu a un plan pour nos vies. Il sait. Et quand on parle de plan, on parle immédiatement de l'avenir. On parle immédiatement du futur. Dieu a un plan. Il projette. Il visite ton avenir. Il est dans ton avenir. Il connaît ce qui arrivera. Il est le créateur de tout. Toutes les composantes de notre avenir. Toutes les composantes. Tous les puzzles de notre avenir, Dieu en est, s'en charge en quelque sorte. Dieu donc a un plan précis pour le monde et pour l'univers dont il est le créateur. Il mène l'histoire du monde entier vers un point culminant. C'est ce qu'on appelle le destin. Dieu mène l'histoire du monde, l'histoire des hommes, l'histoire des individus, l'histoire des familles, l'histoire de toutes choses. Il les mène vers un point culminant. Il est le patron de la vie, le patron de toutes choses. Frères et sœurs, nous sommes tombés dans un monde qui n'appartient pas à tout le monde. Le monde dans lequel nous nous trouvons appartient au créateur de ce monde. Et l'avantage que nous avons, c'est que c'est propriétaire de notre monde, c'est notre propre Père. Alléluia. Oh, comment ne pas se réjouir le fait de se retrouver entre les mains de celui qui a créé l'univers entier. Il mène l'histoire du monde vers son destin. Un jour, Jésus-Christ reviendra sur la terre. Et rien ne saura modifier son calendrier. Rien. Il viendra sur la terre. Qu'il y ait des arrangements, qu'il y ait des tempêtes. Vous savez, actuellement, l'une des prouesses de la science et de la technologie, c'est bien sûr les fusées. Mais je crois que vous êtes au courant que les fusées souvent modifient les calendriers. Parce que les tempêtes ne dépendent pas de ceux qui construisent les fusées. Alors ils sont obligés de modifier les choses. Mais pas Jésus-Christ. Il reviendra et il reviendra à la date, à l'heure, à la seconde, parce que tout l'univers s'accorde à lui appartenir, à appartenir à son Père. Récemment, nous avons dit que tout lui a été donné. Dieu a tout pris et tout donné à son Fils Jésus-Christ. Avant d'aller à la croix, Jésus était l'objet de beaucoup d'attaques, comme vous le savez, de plusieurs attaques. Mais rien de ces attaques ne pouvait aboutir parce que rien ne pouvait modifier le calendrier de la croix. Un jour, il entre dans une synagogue, la synagogue de son village, et on lui a remis le livre, la Bible, le rouleau, et il a lu tout ce qui concerne Ésaïe. Il a lu un passage d'Ésaïe, et puis il dit, ce passage s'accomplit aujourd'hui. Et il s'est assis. Et les connaisseurs de la salle ont dit, tiens, mais donc il veut dire que lui, quand ils sont sortis, la Bible dit qu'il voulait le précipiter vers un fossé. Ils ont commencé à le menacer, à le menacer, à le menacer. Et la Bible dit tout simplement, il s'est échappé. Mais en réalité,
c'est que il ne pouvait pas. Il va là, au désert. Le diable a fait de tout un plan, tout un projet pour l'avoir. Mais il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'était la croix. Il est celui dont le calendrier atteint toujours son accomplissement. Et maintenant, qu'est-ce qui concerne notre existence? C'est que, bien-aimés, nous sommes entrés dans le calendrier de Jésus-Christ. Nous sommes entrés dans sa vie. Nous sommes entrés dans sa toute-puissance. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu y es entré. C'est ça, quand Jésus dit « Le royaume des cieux est au milieu de vous », nous sommes entrés dans ce royaume. Et étant entrés dans ce royaume, eh bien, tout ce qui nous concerne se soumet à ce royaume-là, aux règles de ce royaume, à la puissance qui prévaut dans ce royaume. Les vies des chrétiens bien-aimés étant donc liées à son plan, tous les événements de nos vies sont réquisitionnés, notés et liés au plan de Dieu qui s'accomplit en lui. Un jour, Jésus devrait fêter la Pâque et puis il envoie des disciples devant lui. Si vous voulez réfléchir là-dessus, c'est Luc chapitre 19. Il envoie ses serviteurs devant lui pour aller voir s'il pouvait trouver l'anneau. L'anneau. Alors, ils sont allés et ils ont trouvé l'anneau. Et Jésus leur avait dit de le détacher et de l'amener, tout simplement. Si on vous pose la question, voici la réponse. Et ils ont vu l'anneau et ils sont allés. Et comme si c'était à eux, ils ont détaché. Et puis ils ont commencé à partir. Et le propriétaire dit, mais que faites-vous là, vous? Et ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Ah, bon. Mais c'est incroyable. Incroyable. Le Seigneur en a besoin. Ça suffit pour qu'il laisse aller l'anneau, car le Seigneur en a besoin. Mes frères et sœurs, le monde obéit à la voix du roi. Oui, et ce que j'aime dans ces passages, c'est du fait que ce n'est pas Jésus qui a parlé. Si c'est Jésus qui a parlé, on dirait que sa parole est liée à sa propre bouche. Mais ce sont les disciples. Dites que, en d'autres termes, quand nous lisons la Bible, quand nous lisons des passages qui nous parlent de Dieu, ces passages ont le même effet, la même puissance quand nous les accueillons que lorsque ça reste dans la bouche du Tout-Puissant. Nous sommes entrés donc dans un royaume. Hein? Nous sommes entrés dans ce royaume. Dieu dit à notre frère Paul, tu vas comparaître devant César, à Rome. Et il prend la route. Et il entre dans les bateaux, vous êtes au courant. Et il y a les tempêtes. Et les bateaux échouent. Tous les bateaux qui ont échoué, il n'y a personne ou rare des gens qui ont échappé. Sauf le bateau de Paul. Ils échouent dans une tempête impossible et tous ont survécu de cette tempête-là. Tous ont survécu. Pourquoi? Parce que le bateau même était réquisitionné par le plan de Dieu. Car dans le bateau se trouvait quelqu'un qui devrait comparaître devant César selon la parole de l'Éternel. Et à cause de cela, toute l'histoire a été modifiée. Mes frères et sœurs, nous n'avons plus rien à craindre de l'avenir. Parce que l'avenir est tapissé. Tapissé par la volonté de celui qui règne au siècle de siècles. Tapissé de son règne, de son pouvoir, de s'assujettir ce monde qui lui appartient. Ça, c'est la toute première chose que j'ai voulu simplement énoncer, que nous devons placer notre confiance sur le Dieu qui contrôle l'avenir. La deuxième chose, c'est que tout ne sera pas comme nous voulons. Pour être plus simple, tout ne sera pas bon sur notre avenir. C'est important. Vous savez, ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'elle est équilibrée. Elle nous dit la vérité. Elle nous dévoile les choses. Elle ne nous cache pas. Quand Jésus parle à ses disciples, il leur dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il ne cache pas, il le dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, qu'est-ce qu'il dit à la fin? J'ai vaincu le monde.
Vous savez, quand vous comprenez le langage, c'est très simple. Ça veut tout simplement dire que vous aurez des tribulations dans le monde, mais la finalité de ces tribulations-là, c'est moi qui décide. Amen. C'est moi qui décide de ce que feront ces tribulations. Jusqu'où elles pourront aller? Qu'est-ce qu'elles pourront vous faire? Et qu'est-ce qu'elles ne pourront pas vous faire? Car je suis le patron des tribulations. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu vos tribulations en d'autres termes. Je les ai déjà vaincus. Tout ne sera pas dans nos vies bien-aimées comme nous voudrons. De même, et là j'attire l'attention, toujours dans le cadre du fait que tout ne sera pas comme nous voulons, Dieu n'est pas la cause de tout ce qui nous arrive. Dieu n'est pas la cause de tout ce qui t'arrivera dans l'avenir. Chaye Pembeni. Dieu n'est pas la cause. Dieu n'est pas la cause. Alors là, nous disons non à l'islam. Dans l'islam, tout qui t'arrive, tout, Allah. C'est Allah qui le veut. Si Allah le veut, qu'est-ce que tu peux? Rien. Eh bien, nous disons, d'après la parole de Dieu, que Dieu n'est pas la cause du mal, qui va nous arriver. Dieu n'est pas la cause. Il n'est pas la cause. Dieu ne provoque pas les guerres. Dieu ne provoque pas les cancers. Dieu ne provoque pas les crimes. Dieu ne provoque pas les avortements. Il n'est pas la cause, il n'est la cause d'aucun mal. Il n'est responsable d'aucun mal. Pourquoi? Il est saint. Amen. Et en lui, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas le début de mal. Il n'en est pas responsable. C'est nous les hommes, avec l'inspiration du diable, qui sommes la cause de tous les maux. On peut vérifier, on peut réfléchir où qu'on aille. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le développement de la science, le développement de la météorologie et tout ça, nous, on découvre que certaines situations de tempête, en réalité, c'est aussi provoqué par des hommes. Vous avez entendu dans une ville quelque part là-bas au monde, où il y a eu des tempêtes, la pluie, et puis tout, c'est comme à l'époque de Noé, tout était englouti, les voitures englouties, alors que c'était l'une des villes enviables de notre temps. Et quand maintenant on vérifie derrière, mais pourquoi la pluie est tombée? Est-ce que c'est Allah? On a vérifié, on a découvert que non, c'est pas Allah, c'est un prince. C'est un prince qui était derrière ça. Donc les hommes sont responsables de tout ce qui nous arrive. C'est nous les hommes, avec l'inspiration de Satan, qui sommes responsables de tous les maux. J'arrive à une troisième chose. Vous voyez, je pars assez vite puisque je n'ai que quatre choses à dire aujourd'hui. Dieu nous a créés libres. Au sujet de notre avenir, ne redoutons pas tout parce que Dieu nous a créés libres. Nous aurons la liberté de faire des choix. Amen. Tu seras libre de choisir. Dieu nous a créés libres. Cela implique que nous avons le pouvoir de choisir en toutes choses. Le mal, le péché sont quelques-unes des conséquences de cette liberté dans laquelle Dieu nous a créés. S'il y a le péché, c'est parce que Dieu justement nous a créés libres. Tu peux choisir. Tu peux choisir faire ce que tu veux. Parce que Dieu t'a créé libre. Et il respecte cette liberté. Il y a des gens qui auraient dit, mais non Seigneur, cette fois-là, il ne fallait pas nous laisser libres. Notre humanité ne serait pas la même s'il ne nous avait pas laissé libres. Les scientifiques nous appelleraient peut-être des robots. Vous savez que les anges n'ont pas la liberté. Les anges de Dieu. La Bible dit que Dieu fait de ses anges des flammes de feu. Ils sont créés pour uniquement incarner la volonté de Dieu. Uniquement incarner la volonté de Dieu. Les anges font, donc coulent dans la moule de Dieu. Mais les hommes ont le choix.
Et le choix que Dieu nous donne à avoir, c'est un choix réfléchi. C'est-à-dire que notre Dieu nous donne la liberté sur la base d'une connaissance profonde de toutes les réalités de notre vie. Toutes les réalités de notre vie. Cela implique donc que nous avons le pouvoir de choisir. Nous devons choisir. Si Dieu nous prive de la liberté, nous ne serons plus ce que nous devons être. Dans Galates chapitre 5, le verset 13, que dit la Bible? J'aimerais bien que nous lisions ce verset. Galates chapitre 5. Le verset 13 nous dit, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Il y a deux choses qui sont dites dans ces passages. La première chose, c'est que nous ne pouvons pas utiliser la liberté que Dieu nous donne pour faire le mal. Pour faire le mal. Dieu nous rend libres, mais pour faire le bien. Dieu nous rend libres, mais il nous donne le manuel de travail, le manuel qui explique ce que nous devons faire, comment le faire, avec quelles conséquences, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que l'instruction, l'éducation de Dieu est complète. Il nous donne la liberté et en même temps, il nous donne des exhortations. Ne faites pas de votre liberté un prétexte, sinon vous êtes faux. Sinon vous n'êtes pas honnête. Sinon vous êtes des menteurs. Vous n'êtes pas avec Dieu. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Vous savez, on peut vivre selon la chair dans la vie. On parle selon la chair, on dit ce qu'on pense, on fait ce qu'on veut, on dit ainsi de suite. On agit vraiment comme on veut. Ne faites pas de cette liberté que Dieu nous a donnée. Les hommes de ce monde, vous savez qu'il y a une phrase qui est sortie dans certains milieux, principalement dans les milieux intellectuels. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire. Il y a même des maximes qui ont été utilisées dans certains milieux. On a appelé ça libre arbitre. Libre arbitre. Et savez-vous que dans certains milieux universitaires, on devait même signer une sorte de document d'engagement vis-à-vis de l'université. Libre examen. Libre examen. Quand on dit libre examen, ce n'est pas comme nous pensons. Que tu peux réfléchir et puis arriver à la conclusion avec ton propre effort. Non. Libre examen, ça veut dire fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Et pourquoi on dit fais ce que tu veux? C'est parce qu'on ne veut pas qu'on ait quelqu'un qui nous dicte comment nous devons nous comporter. Cette fameuse maxime est née à l'époque où certains milieux, je ne vais pas citer cette religion parce que je l'approche de plus en plus. Eh bien, à cette époque-là, les intellectuels voulaient se libérer du règne de l'homme de la Bible, du Dieu de la Bible. Ils voulaient se libérer. Alors, libre arbitre, comme pour dire, personne ne doit nous dicter ce que nous devons faire. Et malheureusement, dans notre comportement de chaque jour, nous pouvons nous retrouver en train de faire ce que bon nous semble. Tout ce qui monte, on agit. Eh bien, ne faisons pas de la liberté que Dieu nous a donnée un prétexte. Nous chipons la liberté de Dieu pour nous servir à nous-mêmes. Non. Alors, on nous donne une règle, n'est-ce pas, dans ces passages. Eh bien, c'est que par la charité, par l'amour. Donc l'amour doit être en quelque sorte l'élément qui limite notre liberté, ou plutôt l'élément qui oriente notre liberté.
L'amour. L'amour qui nous rend serviteurs des uns des autres. Des uns des autres. Tu dois être serviteur, tu dois être servante des uns et des autres par la loi de l'amour, par les GPS de l'amour. C'est l'amour qui doit nous guider. Alors avec ça, il n'y aura pas de dégâts. Avec ça, il n'y aura pas de dégâts. L'amour doit nous guider à gauche, à droite, à gauche, à droite, pour être serviteur des uns des autres. Tout nous est facilité. Nous sommes des hommes et des femmes assistés par Dieu, par la parole de Dieu. Et tout nous est dit. Au fait, prendre le chemin de la folie, c'est un choix inutile, non rentable, et de surcroît qui souvent se retourne contre nous, tôt ou tard. Dieu nous a créés libres. Vous savez, il y a une entreprise quelque part. Le chef d'entreprise, comme c'est une entreprise qui s'occupe de nourriture, le chef d'entreprise a dit, bon, je ne peux pas engager tout le monde, tout le temps. Alors, pour ce qui est de la cantine, il n'y aura pas un travailleur. Je n'engage personne. Chacun de vous, comme vous, de toutes les façons, vous travaillez dans des histoires de nourriture. Donc, là-bas, vous achetez. Tous les prix sont affichés. Tu vas, tu achètes, tu mets ton argent. La cagnotte est là, l'argent est là pour échanger. Tu as 20 euros et que tu dois acheter quelque chose de 15 euros. L'argent est là. Tu échanges et puis tu prends ton truc. Et comme ça... je ne suis pas obligé de... Parce que, pourquoi vous attendre Non. Il n'y a pas de vendeur. Ah oui, là, donc. Vous savez où on en est? Beaucoup d'hommes et femmes là-bas ont perdu leur job, leur contrat. Pourquoi? Parce qu'il a pris les croissants sans payer. Au fait, le patron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a truffé des caméras. Caméra sur la caisse. Donc, ce qui fait que quand tu prends le produit, toi tu regardes à gauche et à droite, il n'y a rien. Et tu sors. On ne viendra même pas te prendre à ce moment-là. Il y a quelqu'un qui a la responsabilité de jeter un coup d'œil sur la caméra pour voir tout ce qui est suspect. Et puis, on note. Il va chez le patron. Patron, je vois comme si celui-là n'est pas allé à la caisse. Ah, comment il s'appelle? Non, c'est elle. Ah, fais-le venir. Tu es renvoyé. Renvoyé. Directement. Pourquoi? Tout simplement parce que on donne la liberté et cette liberté, on la confisque pour son profit personnel. La liberté est là, mes frères et sœurs. La liberté, surtout nous, les enfants de Dieu, nous avons vraiment la liberté même de nous dire ce que nous voulons. De nous traiter comme nous voulons. Mais Dieu a mis une règle, l'amour. Que ce soit dans l'amour. Que cela soit dans l'amour. Quatrième chose, et la dernière, c'est que Dieu, et là je viens au centre de ce verset que nous avons lu. C'est même pour ça que ce verset a été pour moi le fond du travail à faire aujourd'hui. Dieu fait concourir. Dieu fait concourir. Ce verbe n'est pas toujours fréquent. Concourir, faire concourir. Hein? Faire concourir. Je suis allé jeter un coup d'œil dans les dictionnaires pour voir un peu s'il y avait, un synonyme parfait qui rend le mieux possible le verbe concourir. Eh bien, j'étais étonné que c'est un verbe si fréquent, si présent. Collaborer. Collaborer. Dieu collabore. Tout ce qui nous arrive, Dieu collabore avec ce qui nous arrive. Il collabore. Tout ce qui t'arrive, Dieu est en pleine collaboration. Il collabore. C'est ce qu'il dit dans sa parole.
Il fait une promesse. Dieu va collaborer dans tout ce qui va t'arriver dans l'avenir. Il va collaborer. C'est sa promesse. Nous, on oublie nos promesses, mais pas Dieu. Amen. Pas Dieu. Dieu n'oublie jamais ses promesses. Dieu va collaborer. Cela donc signifie, que Dieu peut prendre. J'avais presque peur d'écrire ça, mais j'ai écrit. Dieu peut prendre tes mauvaises, je dirais même vilaines décisions. Tout ce que tu as fait là et qui te coûte très très cher, Dieu peut tout prendre ça et le faire concourir au bien. Mon frère, ma sœur, aie confiance à la parole de Dieu. N'aie pas peur. Toutes choses concourent. Toutes choses concourent au bien. Pourquoi? Parce que Dieu s'implique. Parce que Dieu collabore. Parce que Dieu entre dans l'affaire. Et parce qu'il entre dans l'affaire, eh bien, l'aboutissement, le diable a ses plans. Tes ennemis ont leurs plans. Tous ceux qui en veulent à ta vie ont leurs plans. Ils vont les exécuter. Mais l'aboutissement, tout va concourir. Amen. Tout va concourir au bien. Ah, alors ça vient compléter ce que nous avons dit il y a quelque temps. Que notre Dieu n'est pas la cause du mal, mais il fait concourir le mal vers le bien à une condition. Eh oui, pour que Dieu puisse faire concourir, il y a des conditions. Mener à bien toutes choses à condition. Que nous puissions les lui remettre. Toutes choses qui nous arrivent, Dieu va le faire concourir à notre bien à condition que nous puissions les lui remettre. Il y a deux manières de remettre les choses qui vont nous arriver à Dieu. Quand nous sommes coupables, nous les remettons par la repentance. Quand nous en avons besoin, nous les remettons par l'intercession. De la foi, des choses. Amen. Tu as pris des décisions les plus wrongs de ta vie. Vous savez, il y a des gens, j'avais un neveu, en fait, j'ai un neveu, mais à son enfance, à ça, j'étais l'aîné qui était choisi par ses parents. Donc j'étais en train de traverser l'adolescence et ma grande sœur m'avait réquisitionné, a demandé aux parents si je pouvais aller vivre avec eux pour les aider à garder l'enfant. Et donc je me suis retrouvé avec eux et l'enfant. Cet enfant-là, il était tellement timide qu'il n'osait pas dire que j'ai besoin d'aller à la toilette. Alors comment je découvrais que les dégâts sont là? Il fermait, il utilisait, je ne sais pas comment il faisait fonctionner ses fesses. Donc il fermait, serrait les fesses là derrière. Mais à un moment donné, ça commence à suinter. Et on voit les dégâts. Donne-les à Dieu par la repentance. Humblement, tu t'approches de Dieu pour lui dire, j'ai gaffé. Alors Dieu va prendre. Te donne le pardon et il va prendre les conséquences et il va s'en
commencer à les manier pour les mener vers le bien. Vous savez que, nous l'avons vu, Pierre, l'apôtre Pierre renie le Sauveur. Mais ce dont souvent on ne parle pas, c'est sa repentance. La Bible dit que Pierre se repentit et pleura amèrement. Amèrement. Il se retira, il alla derrière la maison et il se mit à pleurer quand il a entendu le coq chanter, qui était la preuve. Hein, et quand maintenant le Seigneur se retournait pour le regarder et qu'il a croisé le regard du maître, il s'est retiré, il est allé derrière la maison et il a pleuré amèrement, amèrement. Savez-vous la suite? C'est lui qui va inaugurer la prédication de l'évangile le jour de Pentecôte. On n'a pas choisi ceux qui n'ont jamais renié. On a choisi celui qui a renié et qui a été récupéré. En d'autres termes, quand Dieu récupère, il récupère vraiment. Il te récupère de telle manière que tu peux même dépasser ceux qui n'ont jamais fait ce que toi tu as fait. Sa récupération est incroyable. Remarquez le retour de l'enfant prodigue à la maison. L'enfant prodigue qui lui aussi est revenu en lui-même et il s'est repenti. Et il a dit, j'irai vers mon père et je lui dirai que je ne suis plus digne d'être appelé son fils. Qu'il me traite comme l'un de ses esclaves qui sont là-bas. Mais remarquez la réaction du père satisfait. Ce père qui accepte cette repentance, il amène au bien. Et quel bien? La fête. La fête de tout le monde. La fête est une fête telle manière que même le plus fidèle est scandalisé. Parce qu'on a fêté pour celui. Lui, il ne voyait que les points de départ, l'histoire du départ. Mais le père était en train de regarder quoi? L'histoire du retour. Voyez-vous, mes frères et sœurs, souvent nous regardons ailleurs, alors que Dieu regarde lui ailleurs. Nous, nous regardons à l'histoire du départ. Mais Dieu lui regarde à l'histoire du retour. L'enfant prodigue est de retour. C'est d'ailleurs l'argument qu'il donne à son fils qui ne veut pas entrer dans la fête. Il dit, mais ton frère que voici était mort. Et maintenant il est vivant. Il est revenu à la vie. Il fallait bien s'égayer. Donc Dieu fête le retour. Mon frère, ma soeur, c'est important que tu saches que ton Dieu est un Dieu qui t'attend et qui veut que tu reviennes. Qui veut que tu reviennes. Mène à bien, c'est l'autre expression, concourir. Mène à bien, c'est-à-dire quelque chose qui puisse réussir ou encore quelque chose qui va avoir une heureuse issue. Il mène à bien. C'est la chose à Atlanta. Hein, à Atlanta, c'est ça? Atlanta, là-bas en Géorgie, aux États-Unis. Oui, je suis arrivé à cet aéroport. Vous savez qu'à une époque donnée, Delta Airlines atterrissait là-bas. Si tu prends Delta Airlines, c'est à Atlanta que tu dois atterrir. Et je suis arrivé à Atlanta. Et puis, j'ai posé la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir? On m'a dit, take the concours. Take des concours, concours, concours. En fait, vraiment le mot concourir. Prends les concours. Les concours, c'est quoi? Les concours, ce sont des petits métros sans chauffeur électrique. Donc, quand tu entres, concours one. Et puis, chaque fois que vous arrivez à un arrêt, on vous cite le nom de l'arrêt, on vous cite le nom. Mais qu'est-ce qui est particulier? Quand je dis, mais quel numéro de concours je dois prendre? N'importe. Pourquoi? Parce que tout allait vers le même point. Voilà. Tout concourt vers le bien. Dieu, donc il connaît ta destination. Il sait où tu vas. Tout va concourir au bien. Même la valise que tu as perdue ne t'en fais pas. Va, allez, allez. Arrive à la destination. Tu verras ta valise est arrivée. Pourquoi? Parce que concours. Tout concourt. Tout concourt.
tout concourt. Dieu ne donne pas sa parole pour rien, mes frères et sœurs. Il donne sa parole pour nous bâtir, pour nous construire, pour nous travailler. Tout concourt. Tout concourt. Tout concourt. Dans Romains chapitre 8, verset 28, ce n'est pas, notez, une promesse qui s'applique à toute l'humanité d'office. Non. Le texte le dit. Romains chapitre 8, le verset 28. Que dit le texte? Il y a un élément qui s'ajoute là. Hein? Romains chapitre 8. Le verset 28 nous est en train de nous dire ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien, notez, de ceux qui aiment. Voilà la condition centrale. Tu dois aimer Dieu, mon frère. Deux moyens principaux d'aimer Dieu. Le premier moyen, c'est de lui donner ta vie par ta repentance et ta conversion. Tu te donnes à Dieu, tu deviens enfant de Dieu. Bien-aimé, personne n'est suffisant dans ces choses. Mais mon travail de prédicateur m'amène à dire, ne piquons pas la conversion de force. Vous avez déjà vu dans une fête des gens qui piquent des morceaux par force? Ça arrive, hein? Ils se donnent de la valeur et ils prennent un morceau. Par force. Curieusement, il y a des hommes et des femmes dans le royaume des cieux qui veulent prendre la conversion par force. C'est-à-dire, ils s'attribuent une conversion qui n'a jamais eu lieu. Soyez prudents. Amen. Soyez prudents. Le jour de la conversion, c'est le jour où on apprend l'humilité la plus totale. Parce qu'on ne vaut plus un clou. Parce qu'on roule par terre. Parce qu'on mérite d'aller en enfer. Parce qu'on est perdu sans Dieu. Et quand tu passes par cette porte-là, tu n'oublies pas que ça a eu lieu. Et Dieu n'oublie pas non plus. Amen. Savez-vous que le dernier jour, Jésus a dit qu'il dira à des gens qui lui diront, n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? N'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Le jour où tu te livres à Jésus sans réserve, dans une histoire précise, avec une date précise, avec un moment précis, Jésus te connaît et il ne dira jamais, je ne t'ai jamais connu. Amen. Car il se tient dans la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Tout doit commencer par là. L'absence d'une histoire de conversion annule tout le reste. En ce moment-là, Romains 8, 28 ne s'applique pas à toi. Tout ne va pas concourir. Il te laissera dans tes machins. Tout ne va pas conquérir. Tout ne va pas conquérir. Donc c'est cela le fond de toute l'histoire. Cette promesse ne s'applique pas à tout le monde. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés, ça c'est pas un problème pour nous. Quand tu aimes Dieu, tu es avec Dieu, il n'y a pas de problème. Parce qu'être appelé, vous savez le verbe tel que c'est conjugué, c'est pas toi qui choisis. Être appelé. Être appelé. Quand tu es dans un rang quelque part et tu es en train d'attendre ton tour, on t'appelle. Il y a un numéro soit qui va s'afficher ou carrément ton nom va siffler. Monsieur Tel, mais voici. On t'a appelé. C'est pas tu t'es appelé, mais on t'a appelé. Ça vient de quelqu'un d'autre. Ceux qui sont appelés selon le plan de Dieu, ça c'est Dieu qui t'appelle. Donc, tu n'as pas à t'inquiéter pour être appelé.
C'est pourquoi nous n'avons pas besoin de forcer à prendre un appel. Non. C'est lui qui décide de nous appeler. S'il ne nous appelle pas, nous ferons autre chose. S'il nous appelle, nous ferons ce qu'il nous demande de faire. C'est lui qui nous appelle. Donc, en quelque sorte, mes frères, ce verset, c'est le, j'ai noté, le pain des enfants. Vous vous souvenez l'expression de pain des enfants? Eh oui, c'est réservé. Le pain des enfants. Quand tu es enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as droit au pain des enfants. Tu pourras dire à ton Dieu, voici, Seigneur, je me repens de toutes ces folies. Et le Seigneur va te prendre en charge. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Je vais m'occuper de toi. Vous savez, souvent les gens disent, mais quelle est la tendance de la prédication d'un serviteur de Dieu? Je vais vous répondre. La tendance de la prédication d'un serviteur de Dieu, c'est l'histoire du serviteur avec son Dieu. Souvenez-vous, on vient de parler de Pierre. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Au moment où il était en train de lui donner la prophétie que tu vas me renier, qu'est-ce qu'il lui a dit? Quand tu reviendras à moi, tu fortifieras la foi de tes frères. Voilà l'appel. Amen. Tu ne feras pas, tu ne prêcheras pas ce que tu veux. Si je vous parlais de comment j'ai fait mes recherches pour me préparer à la prédication, vous serez surpris. Il m'arrive parfois à un moment donné, je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire pour recevoir ce que Dieu veut que je puisse recevoir. Il y a un inconnu absolu. Mais à un moment donné, quand la chose arrive, je suis moi-même surpris. Mais ce qui m'étonne le plus souvent, c'est que tout se recoupe. Tout se recoupe. Tout se recoupe. Et ce qui vient de l'Est et ce qui vient de l'Ouest se retrouvent dans la même logique de l'appel que Dieu a confié à quelqu'un. C'est pourquoi j'ai la paix et la joie. Je suis l'un des hommes très heureux. Vous savez qu'un grand nombre de chrétiens, lorsqu'ils ont écouté une prédication, ils ne veulent plus en entendre parler parce qu'ils le savent déjà, mais pas moi. Moi, je reste friand de ma prédication. J'y reviens. Et j'y reviens encore, tellement ça me fait du bien d'y revenir. Et j'ai envie de partager à tout le monde. Partager à tout le monde. Ils sont nombreux. Peut-être que certains fassent simplement, lui aussi exagère, ses prédications, nous pouvons aller trouver ça nous-mêmes, hein, et ainsi de suite. Mais moi j'envoie. Quand je ne serai plus là, je n'enverrai pas. Parce que je ne serai plus là. Mais aussi longtemps que je suis là, j'envoie. Amen. Ah oui, j'envoie. Il y a beaucoup de choses qui sont envoyées dans les réseaux sociaux. Eh bien, si moi je peux envoyer quelque chose qui édifie, tant mieux. Tant mieux. C'est pourquoi, quand nous apprenons les actualités de notre temps, qui font peur, qui sont redoutables, n'ayons pas peur. Amen. Ah, maintenant, il est en train d'entraîner, il est en train de revoir les missiles intercontinentaux. Maintenant, il vient d'essayer un missile qui peut faire disparaître en une seconde un pays comme la France, et ainsi de suite. Tous ces bruits-là qui sont en train de venir, n'ayez pas peur. Car l'avenir ne se trouve pas à Moscou. L'avenir se trouve devant le trône du roi des rois et du seigneur des seigneurs. C'est celui-là qui décide. Mes frères et sœurs, savez-vous qu'il y a des boutons qui n'ont pas fonctionné sur la terre? Oui, il y a des boutons qui n'ont pas fonctionné. Il y a des on vient vraiment avec le fusil. Quand? Ça ne passe pas. Car ça ne passe pas. On revoit, tout est là. Car ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que le bouton de la vie ne se trouve pas sur la terre, ni dans un gadget créé dans une usine.
Ça se trouve devant celui qui règne au siècle des siècles. Et à cause de ça, nous n'avons rien à redouter de l'avenir. Rien du tout. Amen. Et de toutes les façons, nous ne pouvons même pas empêcher que ce qui est prévu dans les plans de Dieu arrive. Nous ne pouvons même pas empêcher. Même si nous nous cachons comme nous voulons. Ce que Dieu a prévu, c'est ce qui s'accomplira. Amen. Et je peux vous dire que les choix de Dieu en notre faveur, ce sont des choix téléguidés par l'amour dont nous avons parlé. Si Dieu demande à ses enfants de gérer toutes choses, toutes les réactions les uns les autres par la loi de l'amour, c'est parce que lui-même, Dieu, fonctionne par la même loi. Il est amour et il agit avec amour. Même la mort fait partie des actes d'amour de Dieu pour les individus que nous sommes. Alléluia. Nous pouvons redouter les événements de la mort, mais notre Dieu, il connaît ce que veut dire la mort. Il connaît ce que veut dire la mort. Il peut te prendre d'une manière sans douleur. Sans douleur. Savez-vous que beaucoup d'enfants de Dieu, d'après certains témoignages, partent à la mort sans douleur. Sans douleur. Tu dors, tu ouvres les yeux, tu vois des rues en or. Oh, mais ici c'est mieux que Bruxelles. Oui, parce que tu es déjà au ciel. Tu es arrivé. Tu es arrivé. Oh, mais je n'ai pas dit au revoir. Non, tu n'as pas besoin de ça. Il y a des anges qui vont faire, l'expédition des affaires courantes. Amen. Les anges vont s'en occuper. Savez-vous que notre Dieu s'intéresse à notre avenir de loin plus que nous-mêmes. Nous connaissons les principes qui nous aident à réussir l'avenir. Nous connaissons toutes les choses qui peuvent nous aider à réussir notre avenir. Mais est-ce que nous les mettons toujours en pratique et dans le temps qu'il faut? Allons, revoyons l'école, là où le plus souvent tout commence. Et regardons, même quand nous avons réussi nos études, nous pouvons quelque part nous dire, c'est vraiment par grâce qu'on a réussi. Parce qu'on a eu suffisamment de temps à négliger. Suffisamment de temps à ne pas prendre au sérieux les devoirs. Mais la finalité, c'est que tu as quand même réussi. Donc, même notre avenir, nous sommes les plus grands ennemis de notre propre avenir. Mais il y a quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne change pas, dont l'amour est stable. Et qui s'occupe de notre avenir. Alors, quand il a fini de s'occuper de notre avenir, il vient nous donner la conclusion. Désormais, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Parce qu'il s'en est occupé. Il a visité tes 10 ans dans le futur. Il a visité tes 20 ans au futur. Il a visité ta vie d'une femme mariée alors que tu es encore toute une jeune célibataire aujourd'hui. Lui a déjà visité ta vie d'une femme mariée et toutes les circonstances, en sorte que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. C'est cela le bonheur que notre Dieu nous donne, il nous veut. Et je répète notre devoir c'est tout simplement tout donner à Dieu. Tout lui donner. Je l'ai si bien dit, par la repentance, quand ce sont les mauvaises choses, par la repentance avec la consécration, hein, vous vous souvenez, hein, Proverbe chapitre 28, le verset 13, hein, c'est... Vous pouvez lire, hein, parce que c'est le dernier verset. Proverbe. Chapitre 28, et le verset 13 nous dit ceci, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Il y a deux verbes, « avouer » veut dire se repentir sincèrement, que j'en suis responsable, c'est moi, c'est repentir, hein, c'est repentir. Et délaisser, prend la résolution de ne plus jamais le faire. Le Seigneur aime entendre une phrase très claire. Seigneur, je ne le ferai plus. Seigneur, aussi longtemps que je vivrai,
je ne ferai plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus jamais ça. Il aime entendre ça. Savez-vous ce qu'il fera? Il ne va pas te dire, ah, c'est ce qu'on va voir. Je viendrai vérifier dans six mois. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Quand tu prends la résolution, lui te donne la puissance de tenir cette résolution. Amen. C'est comme ça que notre Dieu agit. Alléluia. Quand nous lisons, pas besoin de le lire, Philippiens chapitre 4, vous vous souvenez, hein? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. En qui? En Jésus-Christ. Alléluia. Toutes choses concourent. Donc, notre dernier ennemi, la peur de l'avenir, eh bien, l'avenir est vaincu par la loi de Dieu qui fait concourir toutes choses à notre bien. Nous sommes à un terminus où nous savons que ce que nous attendons, c'est le meilleur qui va nous arriver. C'est le meilleur. Et quand nous savons que c'est le meilleur qui va nous arriver, ne nous laissons pas manipuler par un présent maussade, par un présent triste. Ne nous laissons pas manipuler par ça. Le présent n'a aucun pouvoir. L'avenir est menotté par notre Dieu. C'est un colis bien emballé avec un grand mot dessus, destination bien. Notre bien. Notre Dieu mène toutes choses à notre bien. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole que tu déverses dans nos cœurs pour nous donner la vie et la grâce et l'avancement et le progrès d'avancer avec toi sans crainte, sans rien redouter. Père, je te prie pour tous les sujets de peur de l'avenir, afin que qu'ils te soient remis, toi qui es en charge de la gestion de l'avenir, toi qui es en charge de la gestion de notre avenir. Donne à ton fils, donne à ta fille de remettre tous les dossiers, tous les pas encore, de les rendre, de les donner, car tu vas le faire concourir. Tu vas le faire concourir. Tu vas collaborer comme tu l'as promis. Merci de faire de nous un peuple impliqué, un peuple qui est avec toi, un peuple qui t'appartient, un peuple qui t'aime, un peuple dont l'avenir est entre tes mains, entre tes sûres mains. Merci Père, au nom de Jésus. Amen.